Bon, je suis pasteur de l'église glorieuse. Je suis en fait, le visionnaire. Puis beaucoup de gens peut-être peuvent se rappeler de moi en tant que musicien et je continue à l'être. Je ne cesserai jamais d'être musicien. Je vais continuer à l'être jusqu'à ce que le Seigneur va me prendre. C'est ça. Puissance au-delà de ce qu'il a. Donc vous devez vous lever, vous devez dire à celui qui vous menace, si vous continuez à me menacer, je vous menace au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez me détruire, je vais vous détruire. C'est ça. Nous devons prêcher la parole. Mais quelle parole? La bonne parole, la vraie parole, la parole doctrinale, selon la doctrine de Jésus-Christ lui-même, retourner la même chose sur vous. Et comme mon enfant ne va pas mourir, parce que je vais poser ma main sur lui, vous allez mourir. Amener le peuple à se redresser. Vous savez que pour changer quelqu'un, c'est compliqué, c'est difficile. Personne n'aime les changements. Alors, mais pour préparer, c'est-à-dire que nous avons d'abord la parole de Dieu et nous prêchons la parole de Dieu sans ce que nous sommes en train de pratiquer. Nous voulons pratiquer. Donc, vous venez avec votre pouvoir, nous vous montrons le pouvoir qui est plus élevé que votre pouvoir. Donc, si le diable vient m'attaquer, je l'attaque. S'il veut me manger, je le mange. Pasteur Sébastien, il y a parole du Seigneur, il y a l'évangélisation, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un message spécifique pour dire que, bon, quand on voit l'église glorieuse, là, il y a telle chose, l'église glorieuse, il y a tel talent, ainsi de suite, comme tant d'autres églises ou tant d'autres ministères qui sont appelés, bon, il y a des cela qui sont appelés à la prière, il y a des cela qui sont appelés à être à la prospérité, ainsi de suite. L'église glorieuse, ça englobe le tout ou comment? Beaucoup, pasteur Sébastien O, compte tenu du temps. Pasteur Sébastien O, tout à l'heure, juste une parenthèse, en suivant YouTube, en suivant les Facebook, il y a un message que vous donnez actuellement là, power to power. C'est quoi ça, juste? Bon, malheureusement, mais moi je pense que à l'église ici, vous pouvez demander, hein, il y a des gens de frères que moi j'appelle vieux. Pourquoi? Parce qu'en âge, c'est mon vieux. Je les appelle en portugais Kota. Parce qu'en âge, ils sont vieux. Ce n'est pas facile, mais je ne laisserai jamais la musique. J'aime ça. Yemela yenze mboyo akufela kinga ina ekulusu naende na zwilo biko. Ça c'est ma meilleure chanson. Openly, honnêtement, je vous confonds avec notre frère Deningonde. Est-ce qu'il n'y a pas de, il y a pas une référence sur ça, sur concernant le thème? Ouais, bon, j'ai expliqué beaucoup de fois. Le frère Deningonde de lui-même, des fois, quand il chante, on lui dit que non, tu chantes comme le frère Mwanza. Pasteur Sébastien, compte tenu du temps, en son de la trompette, nous discutons sur l'église et les antivaleurs. Je crois que vous avez essayé un peu de highlight quelques éléments. On parle aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs qui sont entrés à l'église. Il n'y a pas le respect de la hiérarchie. Le pasteur Mwanza est là. Hein, il y a des anciens, il y a des diacres, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous voyons même les musiciens se soulèvent, se tenir devant le pasteur, dire n'importe quoi, ainsi de suite. Il n'y a pas le respect. Quel est votre avis sur ça? Bon, c'est simple.